Alors que ces derniers jours, c'était principalement le service juridique de Genk qui était aux commandes. Aujourd'hui, les joueurs ont répondu présents sur le terrain. Avec une victoire éclatante, 3 buts à 0 contre Anvers, ils ont non seulement surmonté les frustrations du VAR, mais ont également vengé le traumatisme du titre de la saison dernière. Vers la fin de la première mi-temps, Marc Van Bommel a demandé du repos à ses joueurs par des paroles et des gestes. Le 2 à 0 a quand même suivi. El Hanous a ouvert pour Sor, qui a dépassé Vin comme s'il n'était pas là, et a servi le remplaçant Tolo. Le Nigérien était si proche qu'il était impossible de rater le match et doubler ainsi la mise de Genk. C'est pire pour Anvers et encore mieux pour Genk. Quelques secondes après le 2 à 0, Tolu portait le score à 3 buts à 0. El Hanous a guidé l'attaquant à travers le piège du hors-jeu. Tolu a ensuite dépassé Koulibaly pour marquer le but.